immobiles, figées dans leur douleur, les familles des victimes. La voix de France Gall, les mots de Michel Berger ont couvert le vacarme de la ville. Anéanti mais toujours debout, le père de Morane, cette jeune fille sauvagement assassinée avec sa cousine Laura sur le parvis de la gare. Difficile d'être là, mais nécessaire. De voir qu'on n'oublie pas votre fille, est-ce que quand même ça fait quelque part le chaud au cœur? Oui, c'est ce que je peux vous dire. C'est un endroit qui est riche, mais en même temps qui remonte beaucoup de choses, donc c'est ce que je pourrais vous dire aujourd'hui en tout cas. Un peu plus tôt, des adolescents citent les noms de ces Français victimes du terrorisme. La liste est longue. Jean Delay. Ne pas les oublier. C'est l'enjeu de cette journée d'hommage. Une cérémonie pour aider les familles à se reconstruire. Les accompagner dans le deuil. Il est soulagé qu'on pense que Marseille est un endroit dédié où ce drame l'a frappé, où le drame a arraché sa fille à la vie. Comme il m'a dit, elle était pleine de vie, elle était si heureuse d'être là. C'est simplement inadmissible. C'est ici que Laura et Morane ont été assassinées, ici que se déroulera chaque année, le 11 mars, la même journée d'hommage aux victimes du terrorisme.